Le roi Charles III et la reine Camilla ont entamé mercredi une visite d'État de 3 jours en France. Après une première journée conclue par un dîner à Versailles, le fils aîné de la reine Elisabeth II est passé par Saint-Denis-Seine-Saint-Denis hier. L'occasion pour le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de rencontrer le président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaïfi, ainsi que Marie-Antoinette Katoto et Presnel Kimpembe. C'est Kylian Mbappé qui était pressenti pour croiser la route de « Sa Majesté ». Le tabloïd anglais écrit même que l'ancien mari de Lady Diana a rencontré « une star très aléatoire du PSG » en faisant allusion à Kimpembe. Nombreux sont les fans de football anglais à avoir fait cette constatation. « C'est le roi d'Angleterre, hein, pas un fan de football au hasard », souligne un internaute. « Je dirai à mes enfants que Mbappé, un grand révolutionnaire, a refusé de rencontrer un roi », ironise un autre. Presnel Kimpembe, actuellement en convalescence après sa grave blessure au tendon d'Achille en février dernier, a eu le droit à une poignée de main du roi Charles III. Celui-ci s'est également entretenu un court instant avec Nasser El-Khelaïfi. Ce fut un grand honneur et un privilège d'accueillir le roi Charles III et sa majesté pour souligner l'incroyable travail de la fondation PSG. A réagi le président des Rouges et Bleus, qui lui a remis un maillot dédicacé floqué du prénom Charles et du numéro 3.